Un ouvrage collectif écrit sur plus de 1500 ans, 40 générations d'auteurs ont écrit dessus sans pour autant s'y connaître. Un ouvrage homogène, quel que soit le livre, les auteurs, la variété, la complémentarité de ce qu'elle contient, converge autour de questionnements ci-après. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Le rapport entre l'homme et Dieu, la vie, la mort, l'éternité, la foi, j'en passe. Un ouvrage d'actualité, parce que tout ce qui est écrit, depuis des siècles jusqu'à ces jours, ont un impact sur la vie sociale de l'homme. Un best-seller, le livre le mieux vendu, ou soit le plus vendu, plus de millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un ouvrage littéraire et éthique, la Bible. Est-ce la parole de Dieu ou un récit de faits historiques et événementiels? La Bible, c'est d'elle qu'on parle sur ce plateau. Un de nos invités dans la précédente émission a déclaré que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Sur ce, est revenu un invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit du prophète Samuel Tamba, de la communauté Ambassade pour Christ, ou Ambassadeur pour Christ, ici à Kinshasa, conduit par le prophète Gary Kenge, est venu sur ce plateau pour réfuter, pour dégager, pour nettoyer tout ce qui a été dit par notre précédente invitée. Mademoiselle et messieurs, bienvenue dans votre émission Chemin de la vérité. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, nous sommes sur le chemin de la vérité pour découvrir encore, pour avoir la lumière sur cette question. Il s'agit de la Bible. Nous parlons de la Bible. Depuis un certain moment, nous avons appris que la Bible, qui a été écrite par les hommes, qui a réuni un ensemble de livres qui contiennent de messages reçus des dieux, des faits historiques, cette Bible en majuscule, hein, la Bible avec B en majuscule, n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Parce que dans cette Bible, qui est composée de plusieurs livres, il contient aussi, il y a aussi les paroles du diable, il y a les paroles des hommes, et il y a aussi la parole de Dieu. Alors, nous avons été plongés dans les doutes, dans beaucoup de questionnements, et pour réfuter tout cela, le prophète Samuel Tamba est sur ce plateau pour cet exercice. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Rémi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je prie le Seigneur que nous puissions passer de bons moments, que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il soit également avec toi, Rémi, pour que nous puissions offrir à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout où ils sont, des choses, de la matière, qui puissent édifier leur foi pour la gloire de Dieu. Voilà, homme de Dieu, nous vous disons merci hein, pour votre participation à cette émission. Et ça donne encore une fois de la valeur, hein, de la matière à ce programme, puisque c'était une émission de débat religieux, des questions liées à la spiritualité. Vous avez suivi en deux séances comme ça, en deux épisodes, l'émission que nous avons produite avec l'homme de Dieu, le docteur Daniel Kissolo-Boéa, que nous saluons aussi. Il a parlé de la Bible. C'était un docteur en théologie, avec autant de maîtrise, celle qu'il a présentée lui-même. Et vous n'avez pas été d'accord sur sa déclaration, sur son argumentation. Disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Nous allons y revenir, nous allons nous plonger déjà dans cet exercice des questions et réponses, des débats. Mais avant d'abord d'y arriver, je voudrais que vous puissiez nous éclaircir ou nous éclairer ou nous apporter la lumière sur l'origine même de la Bible. Que connaissez-vous de la Bible? C'est quoi la Bible? Ok, je suis venu pour la réplique, c'est vrai, mais je vais quand même me plier à votre question, à votre première question. La Bible est la description permanente de la révélation divine, tout simplement. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est ça votre réponse. Oui, c'est ça ma réponse. C'est la description
permanente de la révélation. De la révélation divine. Divine. Ok. Mais cette Bible a été écrite par qui alors? Vous l'aviez dit dans votre introduction, la Bible a été inspirée par Dieu, écrite par des hommes. 40 auteurs pendant 1500 ans. Ça, vous l'aviez dit. Donc, je suis un peu carré, je vous donne la réponse. Merci. Ok. Merci. Je sens vraiment que le débat sera à la hauteur. Ok. Okay. Mmh. Alors, pasteur, vous reconnaissez quand même que la Bible a été écrite par les hommes, mais inspirée par Dieu. Mais du moins, vous reconnaissez aussi que les hommes ont de l'imperfection dans leur chef. Ok. Oui. Vous comprenez là où je vais arriver? Je suis en train de vous comprendre, mais laissez-moi vous dire une chose, Rémi. Je suis ici pour une réplique. Je suis en train de le claironner. Je vais commencer. Nous y arrivons petit à petit. Je vous étonne parce que moi, je commence par un raisonnement à l'absurde. C'est-à-dire, je commence par la fin, par les conclusions de notre cher confrère, du docteur, du tridoc, pour remonter au début. Vous savez la logique formelle, le syllogisme. Quand vous partez de deux prémices qui sont vraies, vous aboutissez à une conclusion qui est aussi vraie, en tant que philosophe, philosophie générale. Mais notre cher confrère nous a donné des conclusions que vous et nous, nous avions suivies. Si vous ne m'empêchez pas, je vais commencer par étayer ces conclusions. Mais du moins, je voudrais aussi que vous puissiez nous éclairer sur le fait que l'homme, ou soit nous dire votre opinion sur le fait que l'homme est un être imparfait. Il y a de l'imperfection dans ce que l'homme fait. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mais il faut que vous sachiez une chose qui est très, très importante à ce niveau de notre débat. Mon frère Rémi, Dieu est un Dieu tout puissant. Ça, c'est vrai. Il a utilisé des hommes imparfaits, mais qui ont été sous son contrôle. Ça, on va y arriver. Moi, je voudrais que nous puissions y aller mollo, mollo. Si vous me permettre de pouvoir continuer. Merci. Là, j'ai compris déjà la réponse. Je pense que les téléspectateurs aussi. Ah, je rappelle aux téléspectateurs d'avoir, attendez, s'il vous plaît, d'avoir votre stylo. Munissez-vous de votre stylo. Prenez le temps d'avoir votre stylo et du papier. Parce qu'il y a de l'enseignement ici. Okay. Il y a de l'enseignement. Mm. Allons-y, pasteur. Vous avez quand même reconnu que l'homme est imparfait. Ok. Cher Rémi, il y a une chose. Monsieur Daniel Kisolo, c'est ça son nom, s'est placé dans un courant. Quel courant? Le courant de l'inspiration partielle. Il faut que je puisse annoncer à tous les téléspectateurs, nous avons trois courants d'inspiration. L'inspiration plénière, l'inspiration partielle, dans laquelle M. Kisolo a choisi d'y demeurer. Et dans ce courant de l'inspiration partielle, il y a certains livres qui sont jugés plus inspirés que d'autres. Il y a certaines parties de la Bible qui sont inspirées, qui sont jugées inspirées plus que d'autres. Ce qui met en contraste, ce qui met en mal la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ceci. Que moi, je voudrais commencer par un raisonnement par l'absurde. Monsieur Kisolo a dit dans votre plateau ici que la Bible doit être réactualisée. Que la Bible contient... Non, je dois être juste quand même. C'est moi qui l'ai dit, je n'ai fait que rapporter les propos du pape qui disait, je crois que c'était l'année passée, la Bible doit être, par rapport au contexte, contexte actuel, au temps, à l'espace, la Bible doit être revue, doit être actualisée. Oui. Puisqu'il y a des éléments qui ont été écrits. Et M. Kisolo a été d'accord avec toi. D'accord avec ça. Et moi, je ne suis pas d'accord. La Bible ne peut être réactualisée. Et je vais le démontrer tout au long de cette émission que nous sommes en train de faire avec vous. M. Kisolo a dit, sans embâche, que la Bible contenait des erreurs. Il a mis au défi les pasteurs qui voudraient relever les erreurs qu'il a relevées. Mais les erreurs qu'il a démontrées étaient commises par les hommes, par le fait que les hommes sont imparfaits, les hommes sont pas sont imperfectibles, les hommes ont de faiblesses et des limites. Oui, mais cher Rémi, il faut que tu puisses noter une chose. Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner la terre entière s'il perd son âme? Je veux dire quoi par là? Que sert-il à un monsieur d'aller étudier, de faire de grandes études? De se dire qu'il est équipé pour aboutir à des conclusions qui sont erronées. Ça, c'est mon point de vue. Je suis en train de poser une base que je vais démontrer. Je dis ceci, que M. Kisolo
est arrivé à des conclusions qui sont totalement erronées. La Bible ne contient aucune erreur. Le fait que l'homme soit imparfait ne fait pas obligatoirement ou nécessairement que la Bible puisse être fausse. La Bible est fausse. La Bible contient des erreurs dans le chef de M. Kisolo. Et moi, je suis ici pour réfuter cela. La Bible n'a commis aucune erreur. Non, c'est ce que je vais te montrer. Il n'a pas dit que la Bible est fausse. Oh là là. Il a dit les erreurs. Ouais. Oh, moi, je te dis ici sur le plateau, vous êtes défenseur de ce qui sort au bien commun. Non. Je te dis dans ton plateau que la Bible n'a aucune erreur. Ok. Et je vais le démontrer. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire tout à l'heure que si vous avez les erreurs que lui a dites ici, nous sommes en mesure de le relever au vu et au su de tout le monde. Et le monde verra que le monsieur qui était en face de vous n'est qu'un imposteur. Excusez-moi le terme. N'est qu'un faucon dans notre jargon prophétique. Je vais avancer. Il est arrivé à une conclusion. Quelle est cette conclusion? Première conclusion, il a dit qu'il est d'accord que la Bible puisse être réactualisée. C'est une conclusion qui ne vient pas de ma bouche. Une conclusion qui vient de la bouche de M. Kisolo. Il est d'accord que nous puissions réactualiser la Bible. Et ça, c'est déjà un piège du diable. Je veux y revenir. Deuxième conclusion. Il y en a beaucoup, mais je vais citer deux parce qu'on est buté à des problèmes de temps. M. Kisolo a dit dans ton plateau que la Bible contenait des erreurs. Je suis là pour réfuter ce que lui a dit. Il a notamment cité le passage de 1 Samuel chapitre 13, le verset 1er, si je n'ai pas oublié. Oui, 1 Samuel chapitre 13, verset 1er. Il a parlé du soleil avec Josué. Josué chapitre 10, verset 13. Je suis en train de vous rappeler ce qu'il a dit en ces lieux. Hein? Donc, mon frère Rémi, la Bible ne contient aucune erreur. La Bible, les mots m'échappent. La Bible ne contient aucune erreur. La Bible ne se contredit pas de la Genèse à l'Apocalypse. Hein? Et je vais démontrer cela tout au long de ton émission. On y va déjà, on est déjà dans les hostilités, puisque vous vous maintenez toujours à ce que... parce que moi, je vois déjà la Bible avec B, avec toutes ses origines qu'il avait eu à démontrer ici, a été tirée, les noms étirés du grec, du latin, jusqu'à devenir Biblos, Biblios, Biblos, Biblos, l'ensemble de livres. La Bible, écrit avec B majuscule, donc étymologiquement, c'est l'ensemble de livres. Donc le livre de livres. Alors, cette Bible a été écrite dans une langue quelconque. Cette Bible a été inspirée. Les gens ont pris les enseignements, soit inspirés par Dieu, déclarés par l'Éternel lui-même directement à ses prophètes, ont couché ça sur des supports. Les supports qui ont été gardés, puis les trahions ont été transposés, les mêmes écrits ont été transposés dans d'autres supports. Et actuellement, les docteurs ou les théologiens comme les Louis Segond ont commencé à traduire. Chaque année, on voit toujours des révisés. Oh, Louis Segond révisé. Pourquoi révisé? Parce qu'il y avait des erreurs au précédent et on veut apporter d'autres. Pourquoi vous ne voulez pas croire à ce qu'il dit? Que cette Bible contient des erreurs. Des erreurs parce que non pas la Bible originale, pas la Bible originale dans le sens où les textes originaux, ou soit la parole dite par Dieu et interprétée par les hommes sous forme d'écrit et les hommes qui l'ont traduit d'une certaine manière avec de certaines pertes. Hein, c'est comme les rapports, non? Pourquoi vous ne voulez pas croire à ça? Je considère... Avant d'arriver au point où les erreurs... Parce que là, je vois d'abord... je suis d'abord au niveau des erreurs. Avant d'arriver au point de la parole de Dieu et contient la parole de Dieu et non, elle n'est pas la parole de Dieu. Okay. Ça, c'est le premier point, les erreurs. Ok, nous allons y arriver. Mais, M. Rémi, tout ce que M. Kisolo a débité sur ton plateau n'est que de la séduction. La Bible dit dans Marc chapitre 3, le verset 27... Matthieu chapitre 12, verset 29. Que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si au préalable, la personne qui doit récupérer les choses n'a pas lié la personne. Et tout ce semblant de connaissance que M. Kisolo a débité sur ton plateau n'avait qu'un seul but. Séduire le peuple de Dieu. Séduire les étudiants auxquels je dis de ne pas aller dans cette université. Parce que dans cette université, ils vont accoucher d'une souris. On ne peut pas aller dans une université et ressortir avec de telles conclusions que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient simplement la parole de Dieu. Là, je suis en train de présenter le monsieur. Je suis encore dans mon rôle prophétique. Je ne suis pas encore dans mon rôle de professeur. Je suis en train de présenter le faucon. Le faucon, on le trouve pas seulement dans les miracles, pas seulement dans les scandales, mais on le trouve aussi dans la connaissance. Dans la soi-disant connaissance
que M. A débité en cellule. M. A dit des choses vraies, ça c'est OK. Mais parmi dans les choses vraies, il en a profité pour maintenant mettre l'erreur. Voilà pourquoi j'ai traité ses propos, j'ai traité ses émissions, j'ai traité sa personne de la haute occultisme. Je l'ai dit et je suis en train, j'engage mes paroles, j'assume enfin ma parole. Cette connaissance qu'il a débité dans ton plateau avec un seul but, lié, fasciné et éblouir le peuple de Dieu, séduire. Et si vous êtes séduit, il vous pille. Maintenant, j'en viens aux erreurs. Avant que je ne puisse étaler la doctrine de l'inspiration biblique. Je prends le premier passage, 1 Samuel chapitre 13, le verset 1. Si vous voulez me lire le passage. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Oui. Saül était âgé de ans. Ok. Lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Ok. Je vous donne une version de la Bible, la version second 21. Ça c'est quel lui second? Ça c'est quelle version? Parce que j'ai une version électronique, je ne sais pas retrouver. Moi je vous donne avec ma Bible, avec mon téléphone. Comment? 1 Samuel chapitre 13, c'est ça non? Oui, attendez, ça c'est Bible de Louis Segond. C'est électronique, mais on n'a pas signalé l'année ou de quelle version ça s'agit. Tu peux lire avec ça? 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Ça c'est 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Ok. Il est écrit, Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël. Vous avez déjà l'explication, vous avez la réponse à la soi-disant erreur. Ça c'est quelle version? Qui a maintenant une Bible? Oh là là, il y a une Bible, vous avez des Bibles ici. Ok. Moi, malheureusement. Je vous donne cette Bible. 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Ça c'est ça, la version Semeur. Semeur. Ouais. Vous n'avez pas de version d'Arbi? Qui peut avoir une version d'Arbi? Prenez. Mais c'est moi qui donne les éléments, papa. Oui, on peut avoir aussi une autre version pour. Tu te portes défenseur de. Non, je ne me porte pas défenseur. Nous avons un débat scientifique, okay. Et un débat spirituel. Ok. Je suis en train de vous démontrer que vous aviez en face de vous un imposteur. Chanel, tu peux nous demander aussi là-bas qui peut avoir, parce que les dames ont nos soeurs. 1 Samuel, on gagne de temps, papa. 1 Samuel 13, verset 1. C'est moi qui conduis l'émission, ne vous en faites pas. Donc, trouvez-nous quelqu'un qui peut avoir aussi une Bible de version d'Arbi ou autre. 1 Samuel, Bible. 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. Oui. Saül était âgé de 30, entre guillemets, à son avènement et okay. Il régna 42 okay. ans. C'est le... Au monde de Ababi 2, mais Ababi 40 entre. Non, nous devons dire tout. Okay. Entre 40, il régna 40 et entre guillemets 2 ans sur Israël. Ok. Ok, je vois que M. Rémi. Ça commence déjà avec des erreurs. M. Rémi se fait. M. Rémi se fait. Non, je ne me fais pas défenseur. Je ne me fais pas défenseur de qui que ce soit. Mais... on a relevé un point, oui. Il a dit que les points n'avaient pas, donc on ne connaissait pas l'âge. Je vais vous donner l'âge avec les deux versions de la Bible, le second 21. Et mais les symboles de ponctuation, les signes de ponctuation là, laissez-moi ça parler. Dit aussi quelque chose. Laissez-moi parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que la Bible Louis Segond a été écrite au 19e siècle? Ça vous savez? Et quand Louis Segond était en train d'écrire cette Bible, il n'avait pas certains manuscrits avec lui. Maintenant, les versions qui sont venues après... révisées. Non, on corrigeait. On corrigeait. Donc, il ne peut pas parler d'erreur. Donc, quand il est en train de parler d'erreur, il est en train de chercher la petite bête, comme on dit en français. Pourquoi? Parce qu'il voudrait à tout prix démontrer au monde entier que la Bible que vous avez là n'est pas inspirée. Elle contient simplement, voilà son stratagème, sa stratégie. Donc il va faire tout en son possible pour détruire cette Bible, pour qu'il puisse introduire sa doctrine, pour qu'il puisse expliquer son courant. Voilà la stratégie. Voilà pourquoi j'ai amené un passage biblique. Il le dit, Matthieu 12, 25, tout royaume dévasté ou toute maison divisée ne peut résister. Il est en train de saluer la Bible, il est en train de détruire la même Bible. J'étais en train de dire une chose. Cette version Louis Segond, dans laquelle Louis s'est basé sur ça,
pour démontrer les points, 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 points. Je dirais que c'est une version qui a été écrite au moment où M. Louis II n'avait pas certains manuscrits. Mais les versions qui sont venues après, avec le développement de la science, c'est de la science, ont découvert. Et puis, je suis d'accord avec lui, le Saint-Esprit ne peut se tromper. Ça ne peut se tromper. Donc, s'il y a un petit couac, on ne peut pas dire que le premier est à la Bible, non. Vous avez parlé tout à l'heure là des hommes qui étaient imparfaits. Ça dénote de la traduction, vous l'avez dit. La Bible, on ne l'a pas en français, on ne l'a pas en anglais. La Bible est en araméen, en hébreu, en grec. Mm. Hein? Donc ce sont des versions qu'ils ont traduites. Mm. Et s'il y a un petit couac, au coup sauté, tu ne peux pas sauter directement pour aller chercher la bête dans la Bible, dans le Saint-Esprit, dans l'inspiration, non. Donc pour vous, hein? les mots ou les noms Bible est tellement sacré qu'on ne peut pas le désacraliser. Donc on ne peut pas dire que la Bible là contient des erreurs. Donc ce sont les hommes qui sont fautifs. Non. Hein? On les interprètes, ceux qui nous ont rapporté, qui sont, ou nous ont traduit, les traducteurs sont des fautifs. On ne peut même pas parler de cela. Hein? Parce que pour que nous puissions parler de l'inspiration, il y a trois faits. Il y a la causalité divine. Toute parole a été inspirée par l'Esprit. 2 Pierre chapitre 1:21. Aucune prophétie n'a été donnée par l'homme. Toute prophétie a été inspirée par Dieu. Ça commence par Dieu. C'est Dieu qui inspire toutes choses. C'est le début de toutes choses. Le deuxième élément, c'est l'agent humain, mes chers amis. L'homme qui a été utilisé. Non pas comme un robot, mais avec toutes ses facultés. Mais le troisième élément que M. Kissolo a omis, et que je voudrais claironner ici, c'est l'autorité de la Bible. La Bible est un livre autoritaire. La Bible est un livre autoritaire. C'est Dieu-là que lui a dit qu'il est tout puissant. Ce Dieu-là n'est pas en mesure de surveiller les diverses traductions. C'est vrai que toute traduction. Mais oui, mais il a dit, Dieu a inspiré, Dieu a inspiré, Dieu a parlé, Dieu a soufflé, insufflé. Dans l'homme, chacun selon sa caboche, selon sa dimension intellectuelle. Ce n'est pas Rémi n'a pas la même dimension que Samuel Tamba par rapport à l'approche théologique, bien aux questions liées à la théologie. Je suis en train de te parler de l'autorité écrite. Pour que nous puissions parler d'inspiration, il y a trois éléments. Un, la causalité divine. C'est-à-dire que Dieu est le point de départ de toute chose. Maintenant, ils sont d'accord pour réactualiser la Bible. Est-ce que cette réactualisation-là dépend, ça vient, est influencée par Dieu ou par les hommes? Voilà. Merci beaucoup. Vous vous posez une bonne question auquel vous devrez répondre. Parce que notre précédent invité, le docteur Daniel Kissolo, pardon, je vous aime tellement beaucoup, Daniel Kissolo a dit, il y a des livres qui sont cités même dans la Bible, mais qui ont été omis. Jude, qui cite un livre, bon, je ne me rappelle plus, j'avais noté ça quelque part, malheureusement, le papier Jude qui cite, il y a le livre de Noé qui est omis dans le livre Louis II que nous avons. Il y a des livres qui ont été, je peux me permettre de dire ça, décanonisés, hein, qui se retrouvent dans le Bible de Jérusalem que les catholiques, l'église catholique romaine utilise. Mais pourquoi ces livres-là dans Louis II sont cités alors que dans la Bible, quand on regarde, puisque c'est une référence, quand Jude dit tel est écrit dans le livre de tel, on doit retrouver ça aussi là-bas, tel dans le livre de, mais on ne les retrouve pas. C'est que, quelque part, cette Bible, telle que Louis II, a été actualisée à un certain moment, puisqu'on dit que la Bible est partie de 88, de 77 livres, et puis jusqu'à arriver à 69, ou je ne sais pas, 66 livres. C'est que la Bible a été actualisée, pour nous retrouver à cette Bible qui est aujourd'hui. C'est que cette Bible a encore droit d'être actualisée parce que c'était une œuvre humaine, inspirée par Dieu. Monsieur Rémi, essayons d'aider les téléspectateurs. C'est ça, nous allons comme ça, non? Ne les perdons pas dans tout cette méandre imposturale. Non, c'est une suite logique, c'est une réflexion. Nous sommes dotés, c'est Dieu qui nous donne de ses capacités à réfléchir. La suite imposturale que M. Kissolo nous a menée, il nous a menés en bateau. Il vous a cité Jude chapitre 1, verset 14. C'est aussi pour que qu'Enoch, le septième depuis Adam. Ça, c'est ce que lui a dit. Écrit dans le livre de Jude.
Oui, non, il avait dit que Jude avait cité un livre là. Oui. Parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Dieu C'est le livre apocryphe d'Enoch. Le livre apocryphe d'Enoch. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est plutôt Enoch qui a copié la Bible. Ce n'est pas que la Bible a Oh. copié Enoch, je vous dis. Comment ça? Comment ça, prophète? Lui a dit que la Bible a copié Enoch. Et pourtant, le livre de Jude, il a fait la science de la datation, c'est ce qu'il a dit. Qu'il aille vérifier dans ses notes. Jude est antérieur au livre apocryphe d'Enoch. Comment Jude peut aller copier à Enoch? D'ailleurs, quand vous lisez 1,14, vous voyez là, c'est bien écrit. On n'a pas dit que ce livre n'a pas été écrit. N'est-il pas écrit? Partout ailleurs, je vais y arriver, où la Bible a copié les citations des livres apocryphes, il est toujours écrit. Ça, ce n'est pas écrit dans le livre de Juste. Ce n'est pas écrit dans le livre de Nathan. Le livre de Nathan, c'est où? C'est un livre apocryphe. Mais pourquoi c'est apocryphe? Non, non, nous sommes d'abord dans Jude. Allons doucement. Mais c'est ça, donc tout ça Ah, c'est non, non, lié. non, 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 Oui, je n'ai allons-y, pas lu. allons-y, J'étais en allons-y. train de vous dire que M. Kissol vous a amené en bateau. Vraiment. Jude chapitre 1, 14. Nulle part, la Bible dit, la Bible ne peut pas plagier. La Bible est un livre honnête, est un livre autoritaire. Dans 1, 14, M. Kissol a menti. C'est Enoch, le livre apocryphe, qui est allé copier à Jude. Et non le Comment ça? contraire. Mais papa, il y a Yangoyo. Mais on écrit ici, Oh, mais Yangoyo. Jude 1, 14, je lis, Voyez, lisez. c'est aussi pour eux Hein? qu'Enoch, le septième depuis Adam. Hein? Mais le septième depuis Adam, comment il peut arriver à écrire Jude? Jude qui est arrivé plus de millénaires après. Ok. C'est... Ok, je pense que tu te fais défenseur de qui sont le Non, moi, non, je non, suis en train... nous on essaie de comprendre. Ok, mais je vous vous pousse, dis. Moi je vous pousse Je vous dis. À réfuter Et tout ça. Parce que ici, c'est ça a été mon écoutez-moi, introduction. ici, Jude chapitre 1, le verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il a dit que c'était écrit dans le livre d'Assomption de Moïse. Mensonge. Ah, mais c'est écrit où cette histoire? Si, c'est C'est écrit nulle part. Ah, mais Jude l'a repris. Jude l'a eu où? Mais justement, parce que la Bible est un livre qui est inspiré. Dieu l'avait inspiré. Vous comprenez ça? Je le mets au Prophète défi, Samuel. je le mets au défi. Il a dit qu'il a les originaux. Qu'il t'amène les originaux de ce passage. Jude 1,9. Je crois ça que la n'existe semaine pas. Prochaine, ça va être houleux. Hein? Ça n'existe Ça va être pas. houleux. Je reviens. On vous met un défi aussi, docteur Samuel, docteur Daniel, pardon. Je reviens à l'autorité écrite. Pour qu'une écriture puisse être dite qu'elle est inspirée, il y a trois faits. Un, il y a ce que nous appelons la causalité divine. Cela veut dire que cela doit procéder de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui est le numéro un, le premier auteur de la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est l'agent humain. Dieu a utilisé les hommes. Mais le troisième, là maintenant le monsieur a omis, c'est là qu'il a vraiment péché. C'est là où j'avais dit que le crime parfait n'existe pas. Autorité écrite. Cela veut dire quoi? Le troisième élément, le point c'est l'autorité écrite. Autorité écrite. Ah. C'est-à-dire. Ah. Nous sommes en face de la traduction divine. Nous ne sommes pas en face de toute autre traduction. Il y a pas de livre littéraire, non. Ici, c'est la traduction divine où Dieu lui-même met son sceau, met sa signature. Si Dieu est puissant, Dieu ne peut pas protéger son œuvre. Papa, lis-moi Luc chapitre 7, verset 17. Rapidement. Si Dieu est puissant, ne peut-il pas protéger son œuvre? Je vais revenir à cette question-là. On va lire, hein? On okay. va lire. Luc 16, 17. Ah, moi, je deviens votre lecteur. Luc, chapitre combien? 16, verset 17. On me dit que Luc, là, n'a jamais vécu avec Allons-y, papa, Christ. Allons-y. 16, 17, n'a jamais vécu avec Christ. Il ne fait que rapporter ce qu'on lui a raconté. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc, aucune écriture, il y a originale, ne peut être... Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un iota de l'écriture puisse disparaître. Donc, M. Kissolo est en train de nous dire que Dieu n'est pas puissant pour préserver ses écrits, sa volonté. Parce que si nous disons que la Bible... Quand tu dis que la Bible a des erreurs, bon, c'est votre quand tu dis que la Bible a été translittérée,
quand tu nous dis, quand tu me dis ici, Nani, de Rémi, que là, on n'a pas gardé la version originale à cause des différentes traductions. Donc, je suis en train de comprendre que Dieu n'est pas puissant. Dieu n'est pas tout puissant pour préserver ses écrits, pour préserver sa volonté. Ce que d'autre part, il affirme d'une part que Dieu est puissant, et d'autre part, il refute cela. Or, la Bible, là, qui est la parole de Dieu, dit que même pas un iota. Papa, Luc 21, 33, Jean 20, 10, 35. Dis-moi Jean 10, 35. Vous ne me permettez pas de vous poser des questions. Tu vas me poser. Jean 10, 35. Lisez, je termine mon idée, vous allez poser la question. Jean 10, 35, allons-y. Jean 10, 35. Ok. Bon. On lit. Mm. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Tu peux rester là-bas. Mm. L'écriture ne peut être anéantie. Il y a même un passage qui est très fort. Et cette écriture, c'est la Bible? Mais oui. Prophète, non, non. Est-ce que la Bible existe? C'est pas l'époque là où Luc écrivait. Laisse-moi parler. Le psaume 138, le verset 2. Quand vous lisez Tarbi, la Bible dit ceci. Tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Donc Dieu amène la parole de Dieu au-dessus de son nom. Donc tout ce qui est écrit, tout ce qui devait être écrit, ne peut être magnifié, ne peut. Atiango likolo na kombo na ye. Pour dire que non, c'est moi qui signe. Et ça ne peut être jamais translittéré. Donc, vous êtes en train de nous affirmer que non, Dieu est incapable de pouvoir préserver ses écrits. Je te donner la version d'Arbi. Si tu as la version d'Arbi, tu peux lire. D'Arbi, psaume 138. Non, je n'ai pas la version. Mais j'ai une question à vous poser. Parce que là, on est en train de... Matthieu... Oh, attendez, oh, c'est tout concours. Matthieu 4. Le diable, Matthieu 4, verset 5. Mm. Je lis moi-même. Mm. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je voudrais savoir ici, parce que nous parlons de la Bible, qui soit est la parole de Dieu ou contient la parole de Dieu. Les propos du diable, le propos du diable qui tentait là. Je ne vais pas aller dans étaler toute la conversation entre le diable et le Seigneur qui fut tenté après 40 jours de jeûne et prière. Les propos du diable est là. Sens ou est-ce la parole de Dieu, parce que dans ses propos, il refait une référence, il les justifie en disant, il est écrit, il donnera des ordres. Est-ce que ces paroles du diable-là sont les paroles ou sont la parole de Dieu, inspirée par Dieu? Cher ami, la Bible dit que toute écriture est inspirée. Mm. Même cette parole-là est inspirée. Pourquoi? Parce que... Nzamba a complice. Non, a accomplissé. Nzamba a accomplissé. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit que toute parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Même les citations des livres apocryphes. Pourquoi, papa? Hein? Parce que la parole vivante de Dieu a été révélée par la parole écrite. Quand bien, la parole vivante, Jésus a été révélé par la Bible, qui est la parole écrite. Et la parole écrite nous amène à la parole vivante, nous amène à Christ. Cette parole du diable nous donne de la matière, nous qui sommes vivants, que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas céder au diable malgré toutes ses sollicitations. Ah, très bien. Là, c'est conclu. Pour dire quoi? C'est une bonne... Ça conclut. Non, je suis en train de vous dire que la parole vivante, qui est Jésus, est révélée par la parole écrite. Cela veut dire quoi? Monsieur Kissol vous a parlé de la révélation générale. On peut connaître Dieu par la nature. C'est vrai. Là, il a dit vrai. On peut connaître Dieu par la conscience. Il a dit vrai. Il a peut-être oublié de parler de l'histoire.
par l'histoire aussi, on peut connaître Dieu. Mais pas de la manière la plus profonde. Il a fallu que la Bible vienne comme révélation spéciale. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, quand vous avez demandé la Bible, que c'est une description permanente. Vous comprenez? Ah, de la révélation divine de Dieu. Donc, à travers la Bible, on peut... faux prophète. À travers la Bible, nous pouvons connaître le plan de salut. À travers la Bible, nous pouvons savoir comment fuir le péché. Pourquoi? Parce que là, la Bible nous explique comment être bien avec Dieu. Ce n'est pas un piège. La parole de l'ennemi ici, ça nous sert. Pourquoi? Parce que nous allons tirer, quand Christ répond, on ne sert, il est aussi écrit qu'on adore que Dieu. Maintenant, ceux qui entendent cette parole, écoutez-moi. Là, nous comprenons qu'il y a la parole de Dieu et la parole du diable qui étaient en confrontation. C'est la Bible. Et tout ça, c'est dans la Bible. Donc, la Bible contient la parole de Dieu et, et les paroles aussi du la Satan. Bible est la... Non. La Bible, cette parole satanique... Et les paroles des hommes. Papa, écoute-moi. Dieu utilise la nature. Hein? Utilise la nature pour amener les hommes vers lui. Dieu utilise même les animaux, papa. Dans la Bible, on parle de fourmis. Hein? Est-ce que la fourmi est chrétienne? Va vers la fourmi paresseuse. La nanengazosa la considère, se voit et devient sage. La fourmi n'est pas chrétienne. Mais Dieu use de l'intelligence de l'homme pour qu'il aille. Il utilise des choses familières, les choses de notre vécu quotidien pour nous aider à aller vers lui. Il utilise enfin même les arbres, les palmiers. Ils croissent comme les palmiers. C'est dans Psaume, je pense, 92, verset 12. Même si on vous coupait, même si on vous volait, même si on vous faisait du mal, le juste croit comme du palmier. Ce sont des exemples de la nature. Papa Rémi, Jésus a utilisé même les faits d'actualité. C'est dans la Bible. Les faits d'actualité. Quand vous lisez dans Luc chapitre 13, 24, si je n'ai pas oublié, ou Luc 13, 4, on parle de la troupe de Siloé. Il y a des gens qui sont morts. Dieu a dit que ces gens-là ne sont pas des pécheurs. Hein? La tour de Siloé. Tu es la tour de Siloé, c'est dans la Bible. J'ai le verset, Luc 13, quelque chose comme ça. Ah non, moi je suis le lion de l'éternel qui est une tour forte. Non. Jésus, excusez-moi, Jésus a utilisé les faits d'actualité. Et ça ne nous empêche pas. Les auteurs de la Bible ont utilisé les faits Yakala. Par exemple, il a parlé de 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul, qui a cité un grec, un païen. Mais nous, on n'est pas choqués. Mais qui seul a dit ici que non, Paul a cité, Paul a cité un grec, un païen. Mais où est le problème? Quand Paul dit 1 Corinthiens 15, 33, il dit ceci, les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une parole qui a été empruntée à Ménandre, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Quand Paul a cité, où est le mal? On peut citer, nous ici quand nous prêchons, les propos des hommes. Excuse-moi, quand nous prêchons, Dieu peut m'inspirer avec une image de papa, avec une image de Kofi. Je prêche, mais ça, c'est ça l'inspiration. Dieu, à partir d'un fait banal, t'ouvre, illumine les yeux pour prêcher. Et c'est ce qui a été fait avec les apôtres. Ils pouvaient citer des livres apocryphes. Pourquoi? Parce que dans tous les livres apocryphes, il n'y a pas que le mal. Il n'y a pas que le mal. Mais ces livres-là n'ont pas été canonisés. C'est un autre débat, je ne veux pas y entrer là-bas. Il y avait des critères pour qu'un livre puisse être canonisé. Une écriture pouvait passer à 4 tests, mais le 5e test est calé. Mais Dieu a veillé. Exercice scientifique. Ah, même voilà. Pas spirituel. Voilà. Alors, croyez, alors ce même exercice qui a été fait par ceux-là, surtout on sait que c'est de l'église catholique romaine. Ce sont eux-mêmes qui nous ont donné cette Bible. Mais le film essaie de dire. Et pourquoi refuser? Parce que ça prouve à suffisance non, que. Nous refusons parce que la Bible dit qu'on ne peut plus, on ne peut plus rien ajouter. Quand? Apocalypse 22. Oh, les catholiques, les prophètes, les catholiques, on peut prier. Ils ont pris cette Bible. Jésus n'a pas prêché la Bible. Jésus a prêché leur livre, leur livre Torah ou je ne sais pas quel livre. Les apôtres, mêmement. Paul déjà fait référence à ça. Donc tu remets en cause l'harmonie des Écritures. Tu as parlé dans ton introduction de 40 auteurs. Tu veux encore ajouter d'autres? Parce que le fil. Donc pour vous, le Dieu s'est limité là. Non, ce ne sont pas limité, les hommes. C'est clos. Donc prophète Samuel ne peut pas donner un enseignement inspiré qu'on peut ajouter à la Bible. Papa, je te dis ici que pour que nous puissions parler d'une parole inspirée, il faut la. C'est au concile de Nicée, c'était qui? Constantin. Je ne peux pas moi me targuer. Constantin était païen. C'est lui qui a convoqué cette histoire là pour qu'on fasse la Bible. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous sommes en face des faucons. Pourquoi des faucons? Ah, constatez, écoute, un faucon, vrai faucon, un païen, mais qui s'est trempouillé, qui a pris la résolution de faire la Bible et de canoniser. Maintenant, qui vont siéger dans ce concile, dans ce monde qui est pollué, dans ce monde qui est en train d'aller vers sa fin?
Vous allez maintenant réunir qui va convoquer les gens. Au lingi to comment la conclusion au dans mon apoto que maintenant il y a des mariages homosexuels qui sont prévus dans l'église. Non, papa, non, 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 non. Si nous réouvrons cette boîte à Pandore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi je suis toujours sur ces points, c'est parce que il y a vraiment trois grands points sur lesquels nous débattons, hein. La Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible contient des erreurs et la Bible doit être réactualisée. Vous avez noté au point par point les éléments. Je ne dis pas que ce n'est pas que je suis contre vous. Je vous pousse. Je connais votre profondeur. Je vous provoque pour que vous puissiez faire sortir tous ces éléments que vous avez. Ce n'est pas que quand vous le dites, oh, je suis pour qui seul. Non. Non, moi je suis journaliste et je reste journaliste en quête d'informations, surtout pour sur le chemin de la vérité. Je dois vous pousser à parler. Je suis en train de dire ceci. Mmh. La stratégie de M. Kisolo, M. Kisolo s'est positionné dans un courant. Et ce n'est même pas un mystère. Je peux te donner des livres où c'est écrit. Il est dans le livre où que la Bible contient. C'est un courant. C'est de l'inspiration partielle. Mmh. Maintenant, que fait ce courant? Ce courant maintenant essaie de trouver, il essaie de trouver la petite bête dans la Bible pour donner des occasions à Elokezamabe, Tofongolangopotobongisa. Voilà ce courant, qui est un courant qui est démoniaque. Parce que maintenant, posons-nous la question, qui vont siéger dans ce courant, dans ce concile, dans un monde pollué où les gens ne s'entendent plus? Parce que nous sommes déjà à la fin des temps. Tout le monde sait que nous sommes à la fin des temps. Vous allez réouvrir la boîte à Pandore, vous allez ouvrir la Bible à la fin des temps. Et pourtant, vous-même, vous dites que non, c'est le livre le plus vendu. Les attaques, la doctrine de M. Kisolo n'est pas une doctrine qui est nouvelle. Ça date de longtemps. Je n'ai pas la datation réelle, mais je peux vous la donner. Si vous me le demandez, si Dieu permettait qu'on puisse se retrouver encore. Hein? Donc c'est une doctrine qui a été déjà exploitée, je te dis. C'est de l'inspiration partielle. Et dans cette inspiration partielle, là, pour eux, il y a certains auteurs qui sont inspirés. Il y a certaines parties des Écritures qui sont inspirées. Moi, j'ai dit faux et faux. La Bible ne peut permettre des erreurs. La traduction biblique à partir de la parole de Dieu ne peut être translittérée, ne peut être changée. Si nous admettons, moi et toi ici, qu'il y a des erreurs, cela veut dire que Dieu n'est pas puissant pour préserver sa parole. Je te donne des passages de l'Ancien Testament. Le psaume, je te donne un du Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens 2, 13. Mmh. Donne-moi ça. 1 Corinthiens 2, verset 13. J'aime beaucoup lire, moi. 1 Corinthiens 2, verset 13. Attendez. 1 Corinthiens. Oh, Corinthiens, ok. 1 Corinthiens 2, verset 13. 2, 13. Hein. Okay. Chapitre 2, verset 13. Mmh. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ah. Maintenant, revenons-nous à un deuxième exemple, à une deuxième erreur, parce que je vois que le temps est en train de courir. Josué chapitre 10, le verset 13. Josué chapitre... Le soleil qui s'est arrêté à Gabaon. Ah ben le soleil ne s'arrêtera comment? Ah. Ça, c'est un faux débat, papa. Hein? C'est un faux débat. Hein? Papa, nous sommes en 2022. Hein? Josué, chapitre combien? 10, verset 13. 10, 13. Hein? C'est une erreur qu'il y avait dans Rélevant aussi, ça. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Livre de Juste, vous arabois. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'est hâta point de se coucher presque tout un jour. Mais en fait, Josué relatait ou écrit l'histoire que lui-même a vécu, l'événement que lui-même a vécu. Okay. Mais comment pourrait-il encore dire, donner référence que ce livre n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? C'est lui qui écrivait le livre de Juste, c'est okay. lui. Ok, allons-y, continuons. Écoutons ce que moi je voulais dire. Parce qu'il a dit que c'était une erreur. Hein? Il a voulu faire incomber la faute à la Bible. C'est lui qui a fait la prière, c'est qui? C'est Josué. Non, c'est moi qui ai donné le passage. Écoute ce que je veux. Non, je ne peux pas admettre d'abord un propos que vous sortez que je trouve que. Hein, je dois quand même manifester l'honnêteté intellectuelle. Okay. Parce qu'il n'a pas incombé l'erreur à la Bible. Ah, okay. Il dit que la Bible contient des erreurs. Ces erreurs sont. La faute incombe à ceux qui ont écrit, qui ont traduit. Josué a prié comme ça. Il a dit soleil, arrête-toi, parce que dans sa tête. Hein, papa, dans sa tête, il croyait que le soleil tournait.
Mais on peut le lui concéder, papa. On peut le lui concéder à son époque. C'est pourquoi il a... Ah, voilà, ah, merci. Vous comprenez? C'est pourquoi à l'époque, vu c'est la prière les contextes aujourd'hui, on doit quand même... Même pas le contexte. Jésus n'avait pas dit que la terre s'arrête, non. Il a dit, c'est la prière qu'il a faite. Et la Bible a retranscrit exactement ce que Josué avait dit. Papa, si aujourd'hui, les gens disent que le soleil s'élève à l'est, est-ce que le soleil se lève à l'est? Le soleil se couche. Est-ce qu'on ne dit pas aujourd'hui? Non, papa, ne cherchons pas des petites bêtes comme ça. Aujourd'hui, en 2022, nous le disons. Même si scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Nous disons que le soleil se lève à 5 heures. Est-ce que le soleil se lève à 5h30? On le dit aujourd'hui. Pourquoi qu'on que la Bible a un problème, hein? Tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut côté sa doctrine. Hein. Voilà un peu ce que je voulais... Vraiment, c'était un débat houleux, c'était vraiment très intéressant. Hein. Nous avons été honorés par le prophète Samuel Tamba. Nous arrivons déjà à la fin. Qu'est-ce qu'il faut comme conclusion? Qu'est-ce que vous devez dire, hein, comme conclusion de tout ce que vous avez, nous n'avons même pas pu exploiter, je ne sais pas, est-ce que vous avez exploité tous les éléments que vous aviez mentionnés là? Parce qu'il faut rappeler que vous êtes un enseignant, un professeur dans une école théologique ici à Kinshasa. En 50 minutes, on ne peut pas étayer tout ce que M. Kisolo avait dit, mais vous avez vu quand même qu'on a essayé de nettoyer ce qu'on sait que le temps nous a promis, enfin nous a donné. Ce que je voulais dire un peu, c'est que sans la Bible, nous ne connaîtrions jamais la vérité entière de Dieu. Nous ne pourrions pas juger la bonne doctrine sans la Bible. On ne connaîtrait pas la vérité sur Jésus. Si nous connaissons la vérité sur Jésus, si nous pouvons dénoter la vérité de la fausseté, c'est parce que nous avons la Bible. Et cette Bible n'a pas d'erreur. Elle n'a pas d'erreur. Cette Bible n'est pas sujet à être actualisée. Elle est là. Dans Apocalypse 22, la Bible dit, c'est lui qui va enlever un trait. Il sera maudit. Donc la Bible, elle est là. Elle demeure éternellement donc jusqu'à la fin des temps. Voilà. Je vous donne aussi l'occasion de vous adresser aux téléspectateurs pour leur dire ou aussi venir apprendre cette matière théologique. Et okay. Vos coordonnées aussi, hein, si possible. Ok. Mon téléphone, c'est le 089 81 37 57 8. 089 81 37 57 8. Il faut simplement être prudent pendant ce temps de la fin. Les faux prophètes, on ne les revoit pas simplement dans les miracles et les scandales, mais également dans l'enseignement de la parole de Dieu. J'ai donné un passage ici où la Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'une personne forte. Il faut que vous puissiez faire attention. Il est écrit dans 1 Jean 4:1 que vous ne puissiez pas ajouter votre foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Et j'étais en train de dire clairement que M. Kisolo, avec sa doctrine, c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Donc n'allez pas à son école, il faut rester serein avec les choses de Dieu. Voilà un peu avec ma conclusion. Merci beaucoup, homme de Dieu, prophète Samuel Tamba, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir honorés, hein, en nous accordant ces moments d'interview, d'entretien pour... l'éclaircissement, hein, quelques lumières sur ces questions qui taraudent nos esprits. Merci aussi à vous tous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Vous nous avez donné votre temps. Nous avons accédé dans vos maisons, partout où vous retrouvez, à travers vos téléphones, hein, à travers YouTube, la Tour Télévision. Et n'oubliez pas de partager, hein, de vous abonner massivement et d'inviter les autres à le faire aussi. Merci à l'équipe technique, Jean-Paul Betambe, Olivier Abedi, Papi Domingo, Chanel. Chanel Kombamboyarana Nisusu. Hein? Chanel Oli. C'est ça, non? Voilà, Chanel Oli. Et Yazaza. Koli. Hein, Chanel Koli. Yazaza. Donatien Lutundu Laya Dodo. Merci beaucoup. Et merci aussi à Patrick Nganga pour cette émission. Merci à... vous tous qui nous avez suivis, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Je pense que ça sera un débat. Et si prophète Samuel Tamba et docteur Daniel Kisolo nous permettront de l'usiner ici pour confronter un peu les opinions, les arguments et certains points, et ça nous fera du bien. Tout cela pour la gloire du Seigneur et pour la connaissance. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro sur le chemin de la vérité avec un réel et les mêmes plaisirs. Portons-nous bien dans nos maisons. Au revoir.